Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi perso, ça va. J'ai récemment commencé Gleipnir, car beaucoup me l'ont recommandé, et franchement, c'est pas mal. À voir ce que ça donne dans la suite. Mais de toute façon, personne ne me l'a vraiment demandé pour le coup, mais aujourd'hui, on se penche sur le cas de Dr. Stone, et plus précisément sur sa deuxième saison, qui a terminé sa diffusion il n'y a pas très longtemps. Évidemment, j'ai déjà fait une vidéo sur Dr. Stone, où je l'ai entièrement présenté, et assez bien sans trop me vanter. Donc ça me semble logique que je ne le referai pas ici, et que l'on va simplement se pencher sur le cas de la saison 2 dans son entièreté. Ce qu'on peut en dire pour enfin parler de la saison 3 dans la suite. Donc j'espère que vous êtes prêts, parce que moi, pas du tout. Bref, lançons l'intro. Mais avant ça, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre personnage préféré après avoir vu cette deuxième saison. C'est vraiment par pur intérêt personnel. Voilà. Bon, avec tout ce qu'on a vu avant, on est arrivé à un stade où on ne peut plus vraiment trop avancer. Les inventions de Senku commençaient en effet à se faire un peu trop minimes. La seule chose, et le seul objectif qui va faire avancer tout ça, c'est bien sûr l'obtention du contrôle de la grotte miraculeuse, celle qui permet de dépétrifier les gens. Cet objectif, à présent visé par notre protagoniste, les choses ont enfin pu avancer correctement. Et dans cette avancée de saison, on a eu le droit à pas mal de choses. Des moments très émouvants, comme les retrouvailles de Senku et les deux Zigoto, l'histoire de Liliane et Nikki avec la musique, ou encore l'histoire de Tsukasa. Non, pas elle, qui finalement a éveillé la plus profonde empathie que j'avais en moi. Tsukasa était vraiment un personnage qui n'était a priori pas du tout intéressant. Une sorte de méchant de Dragon Ball qui n'était là que pour foutre le monde en l'air et faire le génie du mal. Mais avec ce qu'on apprend dans la saison 2, tout son comportement depuis le début s'explique parfaitement et vient limite le dédonner de tout ce qu'il a fait auparavant, du moins niveau ressenti. C'est quelqu'un qui est fort, aussi bien physiquement que mentalement, et qui était tout simplement perdu. Les repères d'une société qu'il déteste n'étant plus, il a dû apprendre à se construire dans ce monde en besoin de construction et de leader pour son futur. Ce qui fait qu'il se prend pour le messie qui va venir endosser tous les péchés qu'il accomplit, simplement dans le but d'un monde meilleur. Et ce, sans aucun objectif ultra précis qui lui permettrait de suivre la bonne voie. Car comme dira un grand héros de shonen, ce n'est qu'en protégeant quelqu'un qu'on aime qu'on fait véritablement preuve de force. Par contre, je sais plus c'est qui l'a dit. Cela étant dit, quand il a retrouvé Milai, c'est vraiment là que le masque tombe, et que sa vraie façon d'être et ses vraies motivations ressortent. Car c'est bien beau de vouloir corriger le monde, mais quel homme serait-il s'il n'arrivait même pas à sauver sa propre sœur? Et donc, avec tout ça, dès que j'ai vu que c'était chaud pour lui, je me suis dit, gros, t'as pas le droit de mourir maintenant. Voilà, je le kiffe trop maintenant. Ce qui est bien aussi dans tout ça, c'est qu'il n'y a pas de petit arc de remplissage, fait pour nous faire patienter jusqu'à entrer dans le vif du sujet. Ici, on réintroduit correctement les choses, et ensuite on démarre la machine. Elle n'est certes pas des plus rapides, mais elle a le mérite de montrer directement ce qu'on veut voir, avec un rythme assez bien soutenu pour ne pas avoir l'impression que c'est trop rushé, et pas non plus l'impression que c'est trop lent. Bon, après, on a toujours ces moments un peu détente où Senku fabrique un truc pour une mission ou un objectif, mais c'est pas vraiment ça qui est venu me gêner dans mon visionnage. Mais je pense que ce qui sépare le plus de Dr. Stone de la plupart des autres animés, c'est sa capacité à rythmer des épisodes de manière assez étonnante, et par des procédés, ma foi, assez simples. Le début de la saison 2 se passe en deux dimensions, d'un côté le royaume de la science, et de l'autre l'empire de Tsukasa. Suivre parallèlement deux plans dans un animé permet d'avoir une bonne vision d'ensemble qui n'est pas du tout négligeable pour la facilité de compréhension. L'action n'est pas aussi à plaindre. Pour les grands fans de moments frissonnants, franchement, ça va. Il y a largement assez de trucs à se mettre sous la dent, que ça soit l'entrée dans le domaine de Tsukasa, ou encore les combats près de la grotte, où ça a littéralement pété. En parlant de l'Empire de Tsukasa, justement, parmi eux se trouve Nikki, dont j'ai finalement bien aimé la mentalité et la façon de raisonner. Un peu paumé dans ses idées, mais qui ne reflète pas l'allié de méchant typique, celui qui est persuadé de ce qu'il fait et le fait sans remords, suivant aveuglément une figure d'autorité qu'elle idolâtre, sans vraie raison personnelle. Elle est, un peu comme tout le monde, une random qui a été dépétrifiée, et entraînée dans ce monde de pierre contre son gré, directement dans le mauvais camp. Donc dès qu'elle a entendu la chanson de Liliane, ça lui a amplement suffi pour changer de camp, et avec son vécu qui nous est montré, ça s'explique totalement. Et ça fait du bien de voir que pas tout le monde ici sont complètement teubés. Un peu de rationalité dans ce monde où tout semble possible fait vachement plaisir. Ce qui est bien après tout ça, c'est que tout va finalement prendre la forme d'un conflit, d'une grande bataille qui ne laissera qu'un seul vainqueur. On le voit au début quand on parle d'infiltration avec notamment Nikki ou Taiju, de prise de zone, tout est dans le schéma de la conquête, qui va venir accentuer la querelle idéologique de Senku et Tsukasa, pour enfin l'embellir et lui donner une forme scénaristique qui convient parfaitement au rythme donné, et aux personnages qui la conduisent. Et c'est vraiment là que le titre de la saison Stone Wars prend véritablement tout
tout son sens. Et dans cette même saison, Dr. Stone a fait tout ce qu'il a bien fait lors de la première. Et plus encore, bonne action, utilisation innovante et ingénieuse de la science, et grande chimie entre les personnages, d'ailleurs très appréciable à voir, franchement magique. Après, l'histoire de Dr. Stone n'est pas ultra profonde ou significative pour qui que ce soit. Néanmoins, je dois dire que la série fournit assez de mystères pour nous laisser intriguer, et ainsi continue de plus belle. Donc oui, si vous voulez dire que je suce l'œuvre, allez-y. Évidemment, on pourrait se questionner sur tout, tout remettre en question. Les antagonistes ont-ils vraiment été livrés par Wish? Et Tsukasa n'aurait pas des origines de Naruto. En clair, si on regardait vraiment plus le fond que la forme, ce qu'on ne dit aussi généralement pas en tant que simple viewer, bah là, il y aurait vraiment matière à critiquer. La plupart des personnages ont des comportements assez génériques, le scénario se veut parfois assez prévisible, mais au final, je ne pense pas que l'anime ait déjà essayé de se proclamer ainsi. Depuis la saison 1, personnellement, j'ai déjà compris que l'objectif de Dr. Stone n'était pas de nous en mettre plein la vue, avec des combats de fous à la sauce purement shonen. Mais plutôt, de façon très simple, montrer à quel point la science et le raisonnement scientifique et logique en général sont extrêmement magnifiques quand bien maniés, et que cela ne provoque en aucun cas la décadence, mais plutôt l'évolution. Et de par tous ces personnages et leurs forces, je pense sincèrement que la série essaie de nous prouver que la vraie force vient de l'union de tous. Personne ne pourra avoir ni les connaissances ni l'intellect de Senku, et personne ne pourra également reproduire les imitations de Gaine à Merveille. Pour autant, Senku ne serait jamais allé aussi loin dans l'âge de pierre sans l'aide de tout le monde, chacun ont ses propres qualités et façons d'opérer qui vont venir relever les compétences des autres, et permettre d'atteindre un objectif beaucoup plus facilement et efficacement que si on l'avait fait seul. Raisonnement très shonen et simplé, je suis d'accord. Pour autant, au niveau de la compréhension, c'est très finement montré, et parfaitement maîtrisé pour le faire assimiler facilement et sans aucune répercussion sur le scénario. On n'est pas dans Disney pour venir te faire la morale à coup de chanson. Encore plus, je pense que c'est le réalisme du monde et des inventions de Senku qui font qu'on se sent plus concerné. Et surtout, qu'on ne s'attend généralement pas à quelque chose d'illogique. On s'attend toujours à ce que Senku trouve une explication réaliste et plausible, toujours ayant pour base la science, ce qui permet de mettre tout le monde dans le bain, et alors d'apprécier grandement, avec la sécurité de ne pas être sorti du cadre auquel on nous a habitués. Après, ça serait peut-être une bonne chose, mais faudrait vraiment voir la manière dont ça serait amené. J'aime bien aussi cette façon qu'a l'œuvre de mettre de temps en temps la pression, car tu te dis vraiment qu'il suffit de rien pour détruire ces objets de science si durement acquis. Et tout ça a pu se faire ressentir lors de la bataille pour la grotte, où tout s'est presque joué. Au final, ici, l'objectif qu'on croyait à force et à usure être le principal, n'amène finalement que vers le plus grand et le véritable, qu'on a fini par oublier à cause de la rivalité avec Tsukasa. C'est la source de la pétrification. D'où ça vient, quand, comment, pourquoi, et répondre aux questions, c'est quelque chose que Senku adore faire. Donc c'est très certain que la fin de ce mini-arc va déboucher sur un autre encore plus grand, où la racine de nos questionnements va enfin être titillée. Et je sens que ça va être un truc de fou, car on ressent vraiment le fait d'approcher de la fin, et de s'intéresser aux choses les plus importantes. Et franchement, très hâte de voir ça. Mais justement, la fin dans son ensemble était vraiment bien. C'est un schéma scénaristique assez utilisé, en effet, celui de mettre un méchant plus fort que le méchant de base, pour ensuite qu'il soit pris en sauvetage ou en pitié par le héros qui va ensuite devenir un allié, ce qui est donc le cas pour Tsukasa et Hyoga, ou comme on peut le voir un peu partout. Malgré tout, c'était ultra kiffant. Voir des personnes s'affronter à leur apogée, devant repousser leurs limites physiques et logiques, c'était vraiment plaisant. Car il n'y a pas, en ce monde de pierre, de power-up très cheaté, comme une transformation en Super Saiyan ou autre, simplement ta tête et ta force. Senku ayant fait la tête et Tsukasa la force. Ce qui confirme encore une fois le discours de Senku, sur le fait que c'est la science et la force qui arriveront à vaincre. Et l'illustrer ainsi, c'était beau putain! Et la conclusion était plus que satisfaisante. C'est pas une fin de fils de pute, comme je les appelle, qui vont te laisser sur un cliffhanger pour ensuite revenir 3000 ans plus tard. N'est-ce pas? Mais en parlant justement de ça, pourquoi ne pas passer à la suite? Avant toute chose, si vous ne voulez pas attendre et reprendre là où l'anime s'est arrêté, vous pouvez reprendre le volume 10 du manga et plus précisément chapitre 83. Niveau de l'adaptation de cette saison, franchement, c'était parfait. C'était amplement plus que fidèle. Presque aucune scène de sauté, et ce, principalement grâce à l'adaptation de ce mini-arc de la série, qui a permis de tout voir correctement. Avec un format qui a permis de créer la fameuse tension dont j'ai parlé tout à l'heure, rendant le truc meilleur et plus chill à certains moments. Ça se voit vraiment qu'ils étaient pas pressés. Bon, au niveau de la suite en animé, il n'y aura pas du tout de spéculation ou autre, car elle a été officiellement confirmé dans le dernier épisode. Sauf que, attention, comme pour Gotobun, c'est bien la suite qui a été annoncée, et pas la saison 3. Donc encore, comme ce dernier, c'est très possible que la suite prenne la forme d'un film aussi. Et du coup, on se ferait vraiment Ken jusqu'au bout. Mais pour le cas de Dr. Stone, au vu de l'arc futur adapté, c'est limite impossible qu'il fasse ça en film. C'est improbable de fou. Après, ça peut arriver. Ne soyons pas trop sûrs de nous-mêmes, hein. Mais vraiment, juste au niveau de l'adaptation, la suite devrait sûrement prendre la forme d'une saison 3 de 24 épisodes. Sûrement séparée en deux cours, comme Mushoku Tensei ou
Heroes Zero, mais ça serait déjà ça. Et vu le planning de TMS Entertainment et la popularité de la série, elle devrait sûrement être pour minimum 2022. Bref, dans tous les cas, pas la peine de vous en faire, car peu importe la chose, si toute information venait à paraître, je vous en informerai en commentaire. Vous avez juste à en laisser un. Sur ce, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, ça me ferait vraiment super plaisir. Quant à moi, je vous dis à une prochaine vidéo, en attendant, portez-vous bien, ciao bye.